Bonjour à tous, la bienvenue dans cette vidéo, cet astro-oracle. Tout d'abord, un très beau réveillon à tous, un très beau Noël, très belle fête de fin d'année. Et quand je parle de fête, même si on est tout seul, ça reste une fin d'année. C'est-à-dire qu'on a vécu quelque chose, donc je suis, on va dire, pour la célébration avec soi-même. Voilà, qu'est-ce qui vous fait plaisir à vous? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous? Alors avant de parler hein, du thème de cette vidéo, à savoir les idéaux, juste hein, le petit changement capillaire n'est qu'éphémère bien sûr. En fait, avec les amis avec qui je passe le réveillon, on s'est donné le défi d'arriver dans une couleur, entièrement habillé d'une couleur. Et moi j'ai voulu ajouter la touche, bah voilà, même les cheveux. Donc je pense que vous avez deviné quelle est cette couleur. Peut-être que vous allez me retrouver sur la vidéo de pleine lune, j'ai pas encore décidé avec ça aussi, parce que ça m'amuse pas mal. Pour ceux qui ne le savent pas, même si on va pas faire de généralité, j'ai quand même un Honor Gémeaux et une Vénus en Gémeaux. Donc le déguisement, j'adore ça, mais j'ai très peu d'occasions. Peut-être pour les vidéos, je devrais davantage me permettre mes petites perruques et compagnie, histoire de vous faire une surprise en mode hey! Voilà. Tout ça donc dans la bonne humeur hein, pour cette fin d'année. Déjà, je tenais à remercier les personnes qui étaient là aux portes de Janus. Donc, on a célébré le solstice, donc déjà, c'était chouette. Et puis, bah, par après, petite surprise, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Cela étant dit, pourquoi les idéaux, pourquoi ce thème-là, donc sur quoi on va focuser? Parce que vous vous souvenez maintenant, pour les astro-oracles, je suis contente que ça vous plaise, merci à ceux qui ont laissé un petit mot. On va essayer d'amener l'accent sur quelque chose en particulier, vu que maintenant dans Astrozophale, il y a un guide très complet sur vraiment tout ce qui se passe durant le mois. Donc voilà, c'était pour m'éviter à moi de me faire doublon, et tout simplement, voilà, on s'invente, hein, on se réinvente. Donc ici, je mets l'accent sur l'énergie sagittarienne, et en particulier en lien au Mars. Mars, il est au dernier degré du Sagittaire. Le 4 janvier, il ira en Capricorne. Souvent, quand une planète, elle est dans les derniers degrés, hein, parce que bon, bah, tout est relatif, hein, il lui reste encore un peu de temps, mais elle veut s'assurer, est-ce qu'on a bien compris la leçon, entre guillemets. Et ce que je trouvais intéressant de se parler de ce Mars-là, c'est parce que d'un côté, il est maître du nœud Nord-Bélier, on se retrouve pour un atelier fin janvier hein, là-dessus, hein, ça vous intéresse, compris dans Astrozophale, oui, je vous en parlais tout le temps d'Astrozophale, mais c'est mon bébé, quoi, quelque part. Bref. Aussi, actuellement, jusqu'au 29 décembre, Vénus, elle est en scorpion. Le premier maître du scorpion, c'est Mars. Donc voilà. Et étant donné que Vénus, elle est en lien au nœud sud en balance, ça donne une importance supplémentaire à Mars. Cela étant dit, on a eu pas mal de passages en Sagittaire. Ça va encore être le cas. Hein, le Soleil est passé en Capricorne. Mais Vénus, le 29, là, elle va passer en Sagittaire. Donc on n'a pas totalement fini avec ça. Déjà étymologiquement parlant, idéal, donc c'est l'idée de Dieu. Al, ce serait Dieu ici. Donc à nous de prendre conscience quels sont nos idéaux. Non pas forcément pour concrètement les réaliser, même si ce serait un petit peu le principe, hein, parce qu'ensuite dans l'énergie Capricorne, on vient matérialiser, concrétiser, mais pour se connecter à quelque chose de plus haut que nous. Pourquoi ça? Le Sagittaire, en termes d'énergie, est en tension, en carré à la Vierge. Ça fait partie de la croix mutable. J'aime beaucoup travailler en croix, je le rappelle. La Vierge, elle est très associée au quotidien. Si on doit parler du quotidien, je vous parlerai de la Vierge de façon générale. Donc la Vierge, elle va être dans les détails. Vous savez, ah, il faut penser à faire les courses, il faut penser à ça, etc. Le Sagittaire, il n'est pas là. Pour vous dire, j'ai un nœud sud Sagittaire et j'ai pas que ça. Hein. Et bah parfois, il y a des choses que je ne peux pas voir. J'apprends beaucoup de mon ascendant Vierge parce que bah de base, le Sagittaire, il est dans ses grandes pensées, il est dans ses connaissances, voilà. Mais donc ici, je mets l'accent sur l'idéal parce que justement, le quotidien est pas évident, surtout en cette période de l'année. Et à quoi ça ressemble pour vous un idéal de quotidien? Il y a Mercure, hein, on va avoir une conjonction Mars-Mercure durant cette semaine. Donc Mercure nous rappelle la Vierge, nous rappelle le quotidien, nous rappelle les petits gestes. Et ça aussi, c'est quelque chose que je voulais vous rappeler. Peu importe où vous en êtes dans votre vie, bravo à ceux qui sont contents d'eux-mêmes. Bravo aussi à ceux qui
ben, ont pas pu faire ce qu'ils pensaient vouloir faire, parce que des fois c'est une histoire, je voulais ça, mais en fait la vie m'a amené ailleurs, et donc j'ai du mal à être totalement satisfait. Mais bravo aussi à ceux ben, qui sont là, on est là. Oui, dans l'état dans lequel on est, je veux dire là je parle en termes de santé, je parle en termes de financier, je parle en termes de sentimental. Mais si, parce que le Sagittaire et Mars qui est là, c'est aussi une forme d'optimisme et d'enthousiasme. Et si j'arrêtais d'être mon propre juge pas très aimable et je commençais à voir les petits pas que j'ai déjà faits, ne serait-ce que de prendre conscience que telle situation ne me convenait pas ou que telle personne ne me convenait pas. C'est essentiel pour pouvoir repartir du bon pied. Personnellement, quand je remonte, quand je regarde ma vie et compagnie, je me dis, ben oui, t'as toujours eu une foi, t'as toujours eu un enthousiasme. Et oui, il y a des jours où la foi, elle n'était pas là et tout ce que vous voulez. Hein, faut pas croire que c'est une ligne. À chaque fois, de façon globale, c'est toujours de se rappeler qu'on a des hauts et qu'on a des bas, quoi. Et d'être en acceptation de ça. Parce que souvent, ce qui est jugé négatif, on n'en veut surtout pas, on va pas en parler parce qu'on va nous juger X, Y, alors que non. Et ici, encore une fois, c'est pas des bonnes paroles. Désolée, c'est un petit peu, voilà. C'est pas des bonnes paroles, c'est simplement des faits. Je veux dire, je pense que chacun peut regarder sa vie jusqu'à un certain point et se dire, bah oui, c'est sûr que, voilà, il y a eu des moments, peut-être actuellement, c'est un moment pas rose du tout, hein, soit dit au passage. Peut-être que c'était à un autre moment de vie. Peut-être ça sera un prochain moment de vie. Bah oui, voilà, on ne contrôle pas tout, on ne sait pas. Mais toutefois, ce qu'on peut maîtriser, c'est notre état intérieur. Et en cela, le Sagittaire, donc, avec Mars en Sagittaire, c'est nous rappeler notre posture intérieure. Donc qu'est-ce que pourrait être hein, cet enseignement de Mars Sagittaire là, qui s'en va? Alors c'est sûr, vous pourrez étoffer, hein, voilà, c'est pas absolu ici en termes de vérité, surtout pas. Ça pourrait être un des enseignements, déjà de voir qu'il n'y a pas qu'une seule vérité. Parce que je trouve que c'était une période, et peut-être ça va encore l'être, avec ce Mars en Sagittaire, et puis il y a eu ce Mercure, hein, où pas mal de monde pensait tout savoir, pouvait être agressif, que ce soit par les actes, hein, parfois il n'y a même pas un mot qui est prononcé, et c'est pas sympathique ce que l'on vit. Peut-être donc beaucoup par les paroles. Et comme on dit, j'aime beaucoup l'expression, avant je la trouvais jolie, mais maintenant je la comprends vraiment, c'est « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Et donc, c'est d'observer ça. Le nombre de fois, peut-être certaines personnes, et peut-être c'est aussi de se dire ça à nous pour prendre un peu de recul, elles nous ont dit ça, ou elles nous ont pointé telle ou telle chose du doigt, mais peut-être simplement parce que, oui, ça partait d'une bonne intention, et des fois on va le dire, oui, ça part d'une bonne intention, mais. Et si on pouvait dire, oui, ça part d'une bonne intention, et ça n'a pas l'effet escompté. Au lieu de dire mais, parce qu'un mais c'est comme une négation de l'intention de l'autre, et on ne peut pas retirer ça à quelqu'un son intention originelle. En tout cas, je pense pas. Enfin, on le fait, mais bon, vous avez compris. Donc déjà ça, donc déjà de voir que il n'y a pas d'absolu, que l'expérience que j'ai vécue et l'expérience que j'ai vécue, c'est pas forcément celle des autres. Et finalement, d'accepter la différence de façon générale. Pourquoi? Parce qu'ensuite, Mars, il va passer en Capricorne. Donc là, je vous parlais des idéaux, je ne les oublie pas. Mais si je considère que, bah, en fait, je suis peut-être pas dans la norme, je suis peut-être pas dans les généralités, ça me frustre beaucoup d'ailleurs, parce que j'aimerais bien qu'on trouve une solution, voilà, je regarde, ah, je suis comme tout le monde, ça va. Non, t'es peut-être pas là-dedans. Mais tu vas être en mesure. Je dis, c'est l'état intérieur. Tu vas être en mesure de créer des règles qui te correspondent à toi, qui correspondent à cet idéal. Toutefois, dans l'énergie sagittaire, on est entouré de sources d'inspiration. Il y a tel. Moi j'ai enfin, j'ai vu quand, voilà, quand j'ai eu des douleurs dans le corps en 2018, je me suis intéressée à, par exemple, Marie-Lise La Bonté, à Joe Dispenza, des personnes qui ont eu des problématiques physiques et qui les ont dépassées, enfin qu'ils ont dépassé, qu'ils ont accepté en fait déjà tout ça et qui ont su, voilà, aller voir ce qui se passe à l'intérieur d'eux. C'était super inspirant, je ne les connaissais pas à ce moment-là, donc il y a un peu de curiosité quand même, Gémeaux derrière, mais ce que je veux dire, c'est qu'on les a tous, hein, ces énergies. Ensuite, là, dernièrement, j'ai eu d'autres affaires, je me suis beaucoup plus intéressée à l'alimentation en tant que telle, je m'y étais déjà intéressée, mais là, sous un autre angle encore, ce que je veux dire par là, c'est que le Sagittaire, il nous dit, t'as jamais fini d'apprendre. Et c'est génial.
C'est-à-dire que par l'apprentissage et le partage, parce qu'on s'entend, les livres que l'on lit, c'est quelqu'un qui les a écrits, c'est quelqu'un qui est parti de son expérience ou de ses connaissances, peu importe, dépendant sur quoi on regarde tout ça. Et donc, elle est là, la grande richesse. Et ce Mars Sagittaire, il nous dit aussi qu'on a donc tous une richesse. C'est-à-dire que partage ton expérience, oui, c'est l'axe, oui. C'est pas que le Sagittaire, bien sûr, c'est toujours un axe. Comment tu peux partager ton expérience? Et surtout, ton expérience est importante. Parce que, voilà, tu es comme tu es, y a d'autres personnes qui ne sont peut-être pas dans les généralités, qui n'ont peut-être pas eu la soif d'aller apprendre ce que toi t'as été apprendre, parce que en fonction des connaissances qu'on a, il y a certaines choses qui nous sont plus faciles que d'autres, faut dire ce qui est, on n'a pas tous la même vie, enfin... Voilà, tout ça ce sont des généralités, ou des banalités plutôt, et pourtant, bah c'est vrai. Les banalités, c'est aussi génial que les idéaux. Les deux vont de pair. C'est ça la réconciliation entre l'énergie vierge, très petit à petit, petit pas par petit pas, j'ai l'impression de ne pas savoir grand-chose, mais bon, bah, j'avance et j'apprends. Et le Sagittaire qui a une vue des fois un petit peu, on dit, hein, ça peut être très intransigeant comme énergie, parce que des fois on peut dire, moi j'ai tout compris, hein, j'ai tout vécu, j'ai tout compris, tu comprends, j'ai une expertise dans telle chose. Voilà, le tout c'est de ne pas tomber dans ce travers-là, parce que c'est là où on s'enferme. Et c'est là où on devient plus rigide, on s'en était parlé la semaine dernière. Donc ça va être intéressant à voir. Donc ici, pour résumer pour la semaine, voir un peu c'est quoi qui vous porte, c'est quoi qui vous donne du sens chaque matin, ou quasi. Hein. On s'entend, il y a des matins, on pense à rien, on est là, laisse-moi aller dans la cuisine prendre peu importe ce que vous prenez le matin. Mais donc c'est de voir ça. C'est quoi le sens? Où est-ce que tu t'en vas? Oui, le monde, il a changé. Mais oui, mais il va continuer de changer. Je pense que c'était quelque part très illusoire. Hein. On a toujours Neptune qui est très forte hein, dans le ciel, de croire que rien n'allait changer. Non, tout change. Ça, c'est un fait établi. Donc partons de là. C'est quoi le sens que toi, tu vas donner? En acceptant, encore une fois, que l'extérieur ne va pas venir te sauver. Et quand je dis ça, c'est pas une histoire de perdre foi en l'extérieur, non, c'est plus de gagner foi en nous. C'est ça, en tout cas, que j'aimerais communiquer ici en premier lieu. C'est comment je peux, moi, ouvrir mes épaules, ne serait-ce que ça. Hein, je ne sais pas comment vous êtes devant votre écran, mais observez dans la posture, il y a plein de choses qui viennent parler ici. Il y a l'ouverture au niveau du corps. Il y a l'ouverture, bien sûr, au niveau de l'esprit. Et... N'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Des fois, on peut être un peu plus comme ça, parce qu'il y a une protection, hein, c'est des protections. Le corps parle, hein, si je suis comme ça naturellement, c'est que je me protège. Mais donc, est-ce que je vais être à même, là c'est l'énergie Capricorne qui s'en vient, de petit à petit me redresser, prendre ma place et avoir conscience que je suis responsable de moi-même et qu'à date, je peux réellement être responsable de moi, c'est-à-dire prendre soin de moi. Sans doute des thèmes qu'on va aborder, je dis sans doute, je ne l'ai pas encore tourné dans la vidéo de pleine lune, mais comme ça va être inspiré, ben voilà, je vais avoir la surprise. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ce moment passé ensemble, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Et puis, je voulais simplement vous dire que jusqu'au 31 décembre, au cas où, vous pouvez rejoindre Astrozophale ou Astrofundis. Astrofundis, c'est pour ceux qui connaissent déjà l'astro, parce que vous avez accès à mes formations sur la lune noire, Chiron, l'axe ascendant-descendant, sur des ateliers beaucoup plus spécifiques, en fait, en lien à l'astrologie. Et on a une rencontre trimestrielle en plus de tout ce qu'il y a dans Astrozophale, à savoir ben, un soutien. Voilà, oui. J'ai envie de dire presque permanent, vous avez le guide astro bah, qui vous permet de voir un peu à quoi va ressembler le mois. Et puis, il y a une fois par mois, on se rencontre et je réponds personnellement par rapport à votre carte du ciel, à ce que vous traversez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce que vous traversez. Ou bon, après, si vous avez des questions plus techniques à l'astro, je pourrais y répondre aussi, mais voilà. Et c'est ça que je voulais vous dire, que c'est toujours... j'ai gardé les portes ouvertes. C'est un voyage annuel, hein, Astrozophale ou Astrofundis. Parce que je trouve toujours ça essentiel de se dire « Ok, tout le monde a embarqué, on y va. » Et au-delà de ce qui est écrit hein, sur la page de présentation, bon, il y aura sans doute des surprises, hein, ça clairement. Et c'est ça que j'aime aussi, se donner cet espace-là. Un espace où chacun va à son rythme. Je trouve que voilà, il n'y a pas trop de choses. Vous avez un an pour aller voir les affaires. Et en même temps, bah, un endroit où je peux vraiment, bah, comme ici, en tout cas j'espère que
que ça vous plaît les vidéos et tout ce qui peut être offert gracieusement. Mais là, bah, c'est pour approfondir, pour se dire, ok, j'embarque, je vais aller changer des choses dans ma vie, je vais aller apprendre l'astrologie parce que ça devient régulier hein, en termes astro, etc. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, en tout cas, j'espère bien que d'autres vont embarquer. Et un gros merci à ceux qui sont déjà là. On va passer de très bons moments.